Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Secret de Cuisine. Hello everyone, welcome to my channel Secret de Cuisine. Voici les ingrédients pour ce plat. Un suprême de pintade, pour la farce, 30 g de beurre, une demi-gousse d'ail, un oignon ciselé, des herbes fraîches mélangées, hachées de chorizo, pain de mie. Pour les garnitures, nous aurons de la purée de petits pois et des chips de chorizo. Pour la farce, 30 g de beurre, 1 d'ail, et on va laisser mijoter pendant 2 petites minutes. Donc maintenant, nous rajoutons le chorizo haché. Nos herbes fraîches hachées. Et nous allons rajouter le pain de mie. Voilà pour la farce. Pour réaliser la blaoutine, nous allons faire une petite incision. Légèrement aplatir. Nous allons assaisonner sel et poivre. Et nous allons mettre au milieu notre farce au chorizo. Après, vous n'avez plus qu'à replier. Voilà. Maintenant, nous prenons une feuille de papier d'aluminium. Nous allons placer comme ceci l'os à l'extérieur et nous allons en rouler tout doucement. Pressez de chaque côté, chaque extrémité, et vous tournez. Vous pressez chaque extrémité comme ceci, de façon à avoir la forme parfaite pour la ballotine. Voilà, une fois cela, vous prenez un ciseau, et voilà. Maintenant, nous allons saisir la ballotine. Environ 1 minute. Et après cela, on va l'enfourner dans un four à 180 degrés pendant 7 minutes. Une fois cuisson terminée, vous laissez reposer pendant 3-4 minutes. Donc, pour la ballotine, vous faites simplement au milieu une petite incision, délicatement, sans vous brûler les doigts. Vous retirez le papier d'aluminium
remettez sur la grille. Voilà, avant de passer au dressage. Voilà, nous avons découpé en tronçons la ballotine. Maintenant, nous allons passer au dressage. Crème de basilic concentrée. Donc, nous allons mettre sous l'assiette les tronçons de ballotine. Voilà. La crème de petits pois. Dans une petite coupelle, nous avons la crème de petits pois. Nous allons mettre entre les chips de chorizo. Là, nous avons un petit jus de fond de volaille, légèrement remonté au beurre. Voici le plat terminé. Je vous souhaite un excellent appétit.